Intello s'installe au Haras du Canet en 2016, comme cela avait été programmé après ses deux premières saisons de monte en Angleterre. Intello représente ce que l'élevage vertémère a pu faire de mieux en un siècle d'existence, associant toutes les qualités requises chez un pur sang, dont le physique, puisqu'il toise 1,65 m. Tout d'abord, Intello fut un champion, un vrai, un authentique, invaincu à 2 ans et surtout capable de réaliser une campagne de 3 ans intense sur un vaste panel de distance, des 1600 mètres de la poule d'essai et du Jacques Le Marois dont il a conclu 3e jusqu'aux 2400 mètres du premier arc de triomphe de Trèves en 2013 dont il prend aussi la 3e place entre les deux craque-nibons Orfèvres et Quesnay. Toujours le 12 Beyond Sanko qui est maintenant attaqué par Superplex, Intello qui vient avec Sky Hunter, l'invaincu qui vient à l'extérieur avec des ressources mais suivi comme par son nom. Son couronnement, Intello l'obtient avec une très grande aisance sur les 2100 mètres du prix du Jockey Club. Avec Intello qui a l'avantage mais Sky Hunter qui vient à son extérieur, Morandi de plus en plus fort en dehors avec Shigerkourt qui est en 4e position. Intello qui repart le duel maintenant avec à l'extérieur Morandi qui tente de l'inquiéter. Intello et Morandi avec Sky Hunter qui se défend bien. Intello qui va donner un nouveau prix du Jockey Club à Olivier Pellier. C'est pas compliqué, Intello, j'ai envie de dire, vous cochez toutes les cases. Un étalon, vous cherchez quoi? Cherchez une carrière de course, un pédigré, du modèle. Bon, ce cheval-là, ces 3 trucs-là, il les a. Il a la carrière de course qu'on connaît, il gagne le Jockey Club, il gagne en morale de la poule d'essai, il a des perfs dans des groupes 1, 6 pieds, il est 3e de l'arc. Il est par Galiléo, la mère par Danil, une famille d'occupandistes, une très très belle famille. C'est le même croisement qu'un cheval comme Théophilo qui réussit très bien, c'est le même croisement que Roderick O'Connor qui réussit très bien avec ses premiers 2 ans, c'est le même croisement que Frankel. C'est un croisement exceptionnel, c'est un très bon cheval de course et c'est un très beau cheval. C'est un très très beau cheval et un argument en plus, c'est que nous on le récupère en 3e année, donc on a eu l'occasion de voir les premiers faules, nous en avons. Les propriétaires d'Intello en ont également et on en a vu à droite à gauche. Et on est vraiment très content de sa première production et il signe beaucoup ses produits, il fait de très bons fauls. Après avoir battu 15 gagnants de groupe 1, dont Dawn Approach, Olympique Glory et Declaration of War, Intello a commencé sa carrière d'étalon à Cheveley Park Stud en Angleterre où il a rencontré une jumenterie d'élite qui lui donnera ses premiers yearlings en 2016, l'année où, comme prévu, il s'installe à 25 000 euros au Haras du Canet.